J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ lui rassure-toi. Nous sommes ce matin un jour de grande, grande bénédiction. C'est avant notre moment d'adoration que la main secourable de Dieu soit posée sur vous. Cécile, ta part, soit bénie, Aude Badolo, soit favorisée en ce matin. Marthe, Nyanyi, Eba, Priscine, Gessan, Achiango, Ramphis, soit bénie, Julie, Natacha, Annie Aka, Joséphine Molou, Mathé, épouse Kwame, Rachel, Kayouri, agissez en direct, n'oubliez pas, nous sommes dans le principe du partage en abondance ce matin encore, pendant que notre vedette de ce matin, Florence Kone Achia, va renseigner vos noms, celui qui partage à 10 personnes ou à 10 groupes, bénéficiera d'une intercession spéciale par les guerriers de prière sur le coup de 10 heures. Le chapelet de la miséricorde vous touchera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc partagez ce moment important. Mathé, épouse Kwame, soit béni. Huguette, soit béni. Réagissez en direct. Chaud Laurence, Barbe Sika, Zagré, épouse So, Chantal, Quadio, Chrysolite, Henriette Dier, Sylvine Dame, Marie Roseline, Cassie, Bla, Edwige, Marie, Thérèse, Hervé, Yao, Jacqueline, Mendy. Réagissez en direct, réveillez tous ceux qui dorment encore, qui paraissent dans leur lit, tous ceux qui sont en train de faire encore un rêve alors qu'il est 6 heures. C'est le moment de se lever pour rentrer en contact de sa bénédiction. Mais c'est tellement important, réagissez en direct. Je vous bénis trois fois, vous tous, dont les noms jaillissent de ma bouche, qui sont sous l'influence de ma voix. Julie Natacha, bénie, soit bénie. Marie Kodjo, Hélène Agbo, Justine Figa, Morissette Lavana, Huguette, Déborah, Solange Ocou, Adon, Augustin, réagissez en direct, Caménan, Noël, Martine, Audrey, Aouman, Franck-Olivier, Azan, soyez bénis, soyez bénis. Yao, Chris, Hugues, soit bénis. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que la grâce de Dieu vous localise ce matin. Pendant que vos noms défilent, pendant que vos noms défilent, je vous connecte à la grâce, Mathilde. Il a dit, ses bontés se renouvellent pour nous chaque matin. Je renouvelle par la prière de bénédiction les bontés de Dieu pour vous chaque matin. J'étends la main, c'est courable de Dieu. La Bible dit, quand Moïse avait les mains levées, Israël remportait la victoire. Pendant que vos noms défilent, je lève la main. Je prophétise que cette journée est une journée de victoire, une journée de témoignage pour vous. Ébrotier Mireille, Nathalie Zongo, Alaba, Marie-Madeleine, Clarisse Grasse, Joël Adjoka, Désiré, Parezo, Magnène Nadège Blanche, Jackie Kona, réagissez en direct. Tant que ma main en haut, votre journée sera élevée ce matin. Père, je prie pour Nathalie Yapi, Honorine, Kofi, Huguette, Angela Bouy, Amala Antoine, Catherine Amoua, soyez bénis au nom de Jésus. Rachel Kajo, ah, Rachel, tu as partagé à 10 groupes, nous prierons pour toi. Marie-Joseph Ebé, Amala Antoinette, Sophie Dumou, Joanne Francine, partagez, partagez au maximum, connectez quelqu'un à une grâce excellente en ce matin, et je crois que Dieu vous en revaudra d'avoir fait cela. Eba, Delphine, Julie, Natacha, Béni, Franck, Eddy, merci Seigneur. Bien-aimés, rentrons dans notre prière de ce matin. Pendant que beaucoup sont en train de se connecter, pendant que vous envoyez des SMS, des messages, envoyez également vos pétitions d'intercession, vos requêtes de prière pour que nos prières
puisse vous accompagner, vous soutenir dans tout ce que vous allez faire ce matin. Vous verrez la différence quand quelqu'un est soutenu par une prière et que quelqu'un ne l'est pas. Commençons à saturer cette journée en amenant Dieu sur la scène de notre vie par ce louange. Mon papa à l'argent, Ismaël, René, Achia, Agabus, Erectus, pendant que cette louange vient en toi, tes impossibilités de ce matin deviennent des possibilités. Louons ensemble le Seigneur, ne vous déconnectez pas, on se retrouve tout à l'heure pour prendre cette journée, parce que cette journée t'appartient. Sois béni. Hey. Dans ce monde, chacun a son père. Laisse-moi te parler du mien. Ha. Mon papa est vivant, mon papa est vivant, mon papa est vivant, mon papa est vivant, moi je ne crains pas, moi je ne crains. Moi j'aime danser pour lui. Ah.
Bien-aimés, après ce moment de louange, tu nous fais prendre conscience que ce matin, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Remercions-le pour le don de la vie. Comme chaque matin, j'ai l'assurance de vous dire de ne jamais prendre à la légère le fait que nous soyons en vie. Cela est un privilège de notre Dieu. Merci Seigneur, merci encore, mille fois merci pour la grâce du réveil, pour le privilège de pouvoir nous tenir en ta présence en bonne santé pour cette nouvelle année et pour pouvoir te louer dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes sûrs et vous et moi, nous sommes conscients d'un si grand salut, d'un privilège aussi important d'être enfant de Dieu. Mais pour toutes les fois, nous avons attristé le cœur de Dieu. Pour toutes les fois où nous sommes allés dormir avec des sentiments dans notre cœur, il est bon qu'en ce matin, pour prendre d'assaut cette journée, nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Et la parole que Dieu nous donne, c'est Ésaïe qui nous l'injecte. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. La version parole de vie est tellement forte, elle me plaît. Dieu prophète, mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et par ses blessures, nous sommes guéris. Alléluia. Pendant que cette parole colonise ton esprit, tes cellules, pénètre tes pensées pour assujettir tout ton caractère, tout ce qui est en toi et disposer toutes choses dans ton esprit, être sous le contrôle de Jésus. Invoque trois fois le sang de Jésus, n'oubliez pas, si c'est la pratique dans vos pays, dans vos diocèses, aspergez-vous d'eau bénite pour soutenir cette parole, cet acte de contrition avec ce puissant acte sacramental. Et je crois que vous serez totalement purifiés par le sang de Jésus. Sang de Jésus, trois fois nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Répondez-vous avec moi dans une position sincère, pas seulement d'attitude, pas seulement de comportement, mais une position intérieure. Seigneur Jésus, ce matin je viens à toi parce que je suis fatigué. Je suis écrasé par mes péchés. Je suis blessé même par le mal que je fais aux autres. Mais la Bible me donne une parole d'espoir. Tu as dit par la bouche de ton prophète que la punition qui nous donne la paix est tombée sur toi. Et ce n'est pas tes blessures que nous sommes guéris. Seigneur, je répands mon âme en libation devant toi. J'attrape tes pieds comme on le fait dans beaucoup de régions d'Afrique. Et je plains ta miséricorde et ton pardon. Détourne ton regard de mes péchés en ce matin. Je t'en supplie, ô Dieu, efface mes iniquités dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, c'est tellement bon de sentir le doux parfum de la réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi, après notre repentance, nous sommes qualifiés et habilités à annuler et à traiter tous les mauvais rêves que nous avons eu à faire la nuit, que nous nous en souvenions ou pas. Sang de Jésus, trois fois nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Traitons ensemble ces mauvais rêves, ces cauchemars, ces rêves démoniaques par le précieux nom de Jésus. Oh Dieu! Dieu de ma délivrance, tout cauchemar, rêve démoniaque, mauvais rêve qui a été injecté dans mon esprit depuis la nuit et même aggravé en ce petit matin avant mon réveil, je commande que ces rêves soient cassés et traités par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Il y a une personne, quand tu as regardé ta montre ce matin, il était 5h29, 5h29 précise. Et dès que tu as eu le regard sur ta montre à 5h29, c'est passé à 5h30 parce que tu
Tu as été agressé sexuellement. Je veux que tu réagisses en me donnant tout ton nom. Partagez encore cette émission. Nathalie Zongo, sois bénie. Tu as partagé Denise Agré. Tu as également partagé. Sois bénie. Réagissez. Partagez. Dites-moi que vous avez partagé pour que, à l'heure de la prière, de la divine miséricorde ou bien de la miséricorde divine, puissions prier pour vous. Et je crois qu'avec les guerriers de prière et Nathalie Laure Achia, quelque chose vous arrivera en cours de journée. Bien-aimés, après donc avoir annulé ces mauvais rêves, je veux que cette personne qui s'est réveillée à 5h29 et qui a vu sa montre basculer à 5h30 à la suite d'une agression sexuelle, sûrement c'est à cause de ça que tu t'es connecté plus fortement ce matin à cette prière. Je veux que tu réagisses en direct avec tout ton nom pour confirmer cette parole. Tu as été agressé sexuellement dans ton rêve. Et quand tu t'es réveillé, il était 5h29. Et tout juste après, il a été 5h30. Tu vois comment Dieu peut te localiser avec précision. Tu es tellement étonné parce que tu étais abasourdi en ce début d'année. Je priais pour toi, réagis en direct avec tout ton nom. C'est le matin d'une grande restauration pour toi. Bien-aimé, après avoir cassé ces mauvais rêves, méditons dans la parole de guerre. Ce matin, c'est une parole qui va nous aider à prendre brutalement cette journée et agressivement les portes du succès de cette journée. Matthieu chapitre 12, verset 29. Matthieu chapitre 12, verset 29. Matthieu chapitre 12, verset 29. Notre divin me dit, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Après avoir médité ce verset de guerre, fais avec moi les déclarations prophétiques suivantes, parce qu'il y a un miracle dans votre bouche. Et fermer sa bouche, c'est empêcher Dieu de déployer sa puissance dans votre vie et de venir sur la scène de votre existence. Prie avec moi pour cette journée, pour cette matinée. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, par le feu du Saint-Esprit, toute personne qui, parce qu'elle est dans un réseau occultiste, veut encore s'asseoir sur mes bénédictions ce matin, m'empêcher d'émerger. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Je renverse ton trône et je mets la confusion contre toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Ce matin, tout esprit de sorcellerie caché dans mon service, dans le lieu où je fais mes activités, je prie à Justine Figard. Justine Figard vient de confirmer l'agression sexuelle en rêve à 5h29. Justine Figard qui vient de confirmer cette prophétie. Justine, j'étends la main secourable de Dieu sur toi et je rentre dans ton rêve par la foi. Et je déclare que cet esprit est extirpé de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta délivrance, Justine, d'être totalement libre. Prends un petit temps de jeûne jusqu'à 15h aujourd'hui et ton témoignage sera éloquent. Combattons encore ensemble le bon combat de la foi en invoquant trois fois le sang de Jésus et trois fois le feu du Saint-Esprit. Prie avec moi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, toute personne sur le lieu où je fais le commerce, la place du marché, dans mon magasin, au travail, dans mon service, qui est responsable des dénigrements, qui est responsable de la colère que mes patrons me vouent, ce matin, soit exposé et dénoncé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combat quoi avec moi le bon combat de la foi. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, ce matin, tout démon relâché depuis la nuit et associé à mes ennemis pour détruire ma carrière, pour détruire ma capacité opérationnelle dans mon commerce, dans mes activités, dans mes affaires et dans mon service,
je te commande de quitter ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Combat avec moi le point combat de la foi en invoquant trois fois le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui nous suit, tu vis quelque chose de bizarre. C'est une sœur et tu as 43 ans. Tu as 43 ans, tu n'es pas marié. Mais chaque fois que tu commences à prier agressivement et souvent même quand tu te connectes, tu sens comme le doigt où on met la bague te serrer d'une manière étrange. Et après que ça te serre, ça te laisse une sensation de démangeaison. Je vais casser l'influence de cette alliance que tes parents ont conclue et qui influence ta vie. Parce qu'on t'a dit que vous avez été livré à l'eau depuis votre naissance. Je prie pour toi. Réagis, tu as 43 ans. Tu as 43 ans et chaque fois que tu es en présence de Dieu, que tu es bien disposé, tu sens comme la sensation désagréable, comme si on t'avait porté une bague et après, quand cette sensation passe, tu as comme des démangeaisons autour de l'annulaire gauche où on met la bague et tu as eu la confirmation que on vous a confié votre famille du côté de ta maman à une eau. Réagis avec tout ton nom et ce matin sera un matin de grande délivrance. Parce que même dans ton travail, dans ce que tu fais comme activité, tu peines à t'épanouir. Tu vois que tu vas de stage en stage, de CDD, ça va être confirmé. Ce matin, c'est le matin de ta délivrance. Tu as 43 ans. Les carabranabos, carabradika. Je vais prier pour toi et Dieu te restaurera. Combattons ensemble le bon combat de la foi et Dieu nous rejoindra au carrefour de notre besoin. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma louange. Par l'autorité et la suprématie du nom de Jésus, je déclare ce matin contre tous les murs dressés contre moi, contre les barrières invisibles, que chacune de mes prières ce matin est un ordre et un décret exécutoire contre tous mes adversaires au travail, au magasin, au marché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prie encore avec moi. Et je crois que Dieu, je suis en train d'avoir la vision des marchés. Et pendant que j'ai la vision des marchés, je vois comme une sorte de cabane. Mais la couleur qui domine, c'est le vert. La couleur qui domine, c'est le vert. À mettre cet esprit. L'esprit m'aide à zoomer cette vision. La couleur qui domine, c'est le vert. Et c'est un magasin de mèches. C'est comme un magasin de mèches, mais en fer. En fer comme un conteneur, un petit conteneur en fer, et la couleur, c'est le vert. Et je priais pour la personne qui a ça. Si tu connais cette personne qui a ça, ou bien si tu vas dans ce magasin, je priais pour ta patronne parce que l'ennemi veut lui faire perdre toute son activité. Et je veux que tu réagisses en direct si tu te retrouves. Je suis dans un marché où je vois comme un conteneur en vert. Et c'est comme un conteneur où on vend des mèches et devant des personnes sont en train de tresser. Je priais pour la propriétaire ou le propriétaire. Réagissez en direct. Si vous vous retrouvez dans cette image que l'Esprit de Dieu me donne, c'est un marché. Je priais pour vous. Combattons le bon combat de la foi en invoquant trois fois le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour que la confusion et le feu brûlant poursuivent et dispersent tous ceux qui veulent attaquer ce matin notre épanouissement professionnel, matériel et financier. Jésus, 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 prie avec moi. Seigneur Jésus, je commande ce matin que toute personne qui est assignée à bloquer mes affaires, à retarder mes finances, à empêcher mon épanouissement professionnel, soit dans la confusion extrême et soit poursuivie par l'ange de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Tendez les deux mains sur votre écran. Je prophétise sur vous en ce matin. Parce que Jérémie a dit, et par le mandat du prophète, je vais me mettre dans l'office de Jérémie qui est mon prophète. Je prie avec vous. Jérémie a dit, par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Jérémie 51. Verset 22. Pendant que ce verset s'affiche sur votre écran, Jérémie 51, verset 22, tendez les deux mains sur votre écran, je commande. Vous dites seulement Amen, ou ainsi soit-il, ou je reçois. Je commande votre travail à ce matin.
partout où vous irez pour déposer des dossiers, toute rencontre d'emploi, toute affaire que vous aurez à traiter est trempée dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge vos collaborateurs, vos collègues, vos patrons, vos activités, vos mails. Je plonge. Ah, il y a une personne qui est dans une banque, le Carabranabuska. Ton nom, c'est Alice. Et dans la banque où tu es, je vois le mot général. Je vois le mot général. Tu es Alice. Tu es dans une banque où il y a le mot général. Et tu es caissier dans cette banque. Et l'année 2018, tu as remboursé beaucoup d'argent. Et même, tu es sous le coup d'un renvoi. Je veux que tu réagisses en direct. Vous tous avez été localisés par cette prophétie-là. Réagissez en direct pour que je puisse prier pour vous. Tu t'appelles Alice, c'est dans une banque. Je crois que c'est la générale. Je vais prier pour toi parce que tu es caissier. Et Dieu me dit de sécuriser ton travail parce que tu es sous le coup d'une menace de renvoi. Réagis en direct. Et ce matin, Dieu te localisera. Je prie donc, surtout pour cette sœur Alice et pour vous tous qui êtes dans le secteur bancaire. Pour vous tous qui êtes dans le système bancaire, que le sang de Jésus couvre votre activité. Tout argent que vous aurez à manipuler, que le sang de Jésus couvre cet argent. Toute personne qui viendra à la caisse pour vous tenter, pour vous attaquer, pour vous oppresser, pour voler l'argent de votre caisse spirituellement, que le sang de Jésus la neutralise au nom puissant de Jésus. Je prie encore pour vous en étendant la main de Dieu sur vous. Je prie que votre travail, votre activité, qui est sous l'influence de l'esprit, ou même votre travail, qui est combattu par le mari de nuit ou la femme de nuit qui oppresse votre vie, soit libéré ce matin de son influence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare pour vous tous qui allez au travail, quelle que soit la réunion des francs-maçons, des rosicriciens, de tout occultiste, je prophétise sur toi qui me suis, car ce matin, toute âme forgée contre toi sera sans effet, et que toute personne qui voudra décoller sortie de son corps pour attaquer ta vie, soit foudroyé par le tonnerre et la foudre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin encore, je prophétise à Chia Pacom Marie, par mon office de prophète, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis le serviteur, les Carabran Rabosca. Oh Dieu, toute forme de sortilège préparée contre toi en cette matinée, envoûtement arrêté contre toi, par des collègues jaloux, par des collaborateurs méchants, par des patrons qui voient d'un mauvais œil ton élévation, que ces sortilèges soient cassés et que le démon invoqué, je lui donne mandat par le pouvoir que j'ai sur lui en tant que serviteur de Dieu de retourner à celui qui l'a envoyé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie enfin pour terminer pour tous ceux qui ont des blessures intérieur à cause de la difficulté du travail. Pour vous tous qui avez partagé, je vous assure que vous êtes une grande, grande bénédiction pour vos frères Sophie, Sophia, Marie, Élise, Jules, Yalté, Mathé, Kwame, Cécile, Tapa, Elisabeth, Yao, Viviane, Ouya, Jean-Selma, Bosso, Jeanne, Francine, Esmel, Yao, Esther, soyez bénis. Je vais terminer en priant pour vous tous qui êtes découragés du travail, affectés à cause des paroles blessantes, à cause des blessures intérieures, et vous donner le somme que l'ange a mis à mon esprit pour vous en ce matin, qui va vous assurer une accélération. Vous tous qui êtes blessés en milieu professionnel, vous tous qui travaillez quelque part, qui faites des affaires et qui êtes oppressés, je vais tendre la main sur vous. Je pense spécialement à cette dame qui est un clair, qui fait 1m63. Et je vois que je dois parler dans un accent. Ah, tu es béninoise, tu es un clair, tu es béninoise. Je t'inclaire, tu fais 1m63, tu es béninoise. Et c'est comme si il y a quelqu'un, un douanier, qui veut avoir des relations avec toi, alors que tu es déjà en ménage avec quelqu'un. Je veux que tu réagisses en direct. Je ne sais pas d'où tu nous suis, si c'est en Côte d'Ivoire, en Europe ou au Bénin. Tu as 1m63, tu es t'inclaire. Et tu fais des activités et il y a comme un douanier qu'il faut le dénoncer à ses patrons parce que c'est un corps honorable où des gens sont intègres. Il ne faudrait pas que ce monsieur agisse contre toi. Mais déjà, pendant que tu réagis en me donnant ton nom, je prie pour toi pour un temps de restauration et de bénédiction par l'autorité du nom de Jésus. Vous tous, dans vos affaires,
subissez des blessures, des mépris, des humiliations. Mettez la main sur votre cœur et je prie pour vous que le sang de Jésus pénètre profondément en vous et que toute amertume, ressentiment, même colère, toute blessure que vous avez reçue dans votre travail, dans l'exercice de votre profession, toute aigreur que vous avez commencé à développer, toute rancœur, toute haine et même tout caractère envieux, tout désir de vengeance, soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'évoque trois fois le sang de Jésus sur votre cœur et je prie pour que ce matin votre cœur soit libéré de toutes ces amertumes. Je prie pour une personne qui veut une promotion, mais tu vois que tes entretiens ailleurs n'aboutissent pas parce que tu n'as plus de motivation et tu as de la haine. Tu as commencé même à critiquer ton patron. Mais tant que tu agis comme ça, Dieu ne va pas te bénir. Bénis-le. Et comme dit Paul dans sa lettre aux Colossiens, travaille pour lui comme si tu travaillais pour Jésus et Dieu va t'élever. Je prie donc pour vous tous qui souffrez à la suite de maltraitance au travail, dans vos activités, dans votre commerce, que l'Esprit Saint ce matin vous remplisse d'esprit de pardon, d'un esprit de justice, de paix, de joie, d'allégresse et d'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, peut-être que vous avez toujours la main sur votre cœur. Je demande que Dieu pense et guérisse votre âme, guérisse votre blessure, guérisse votre esprit, vous libère de tous ces fardeaux, même s'ils ne reconnaissent pas votre travail. Je vous dis, Dieu lui reconnaît votre travail dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je vous donne ce psaume 23 que l'ange m'a redonné ce matin, 22 dans d'autres versions. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'air fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Méditez ce verset. C'est un verset qui est court. Plutôt, c'est un psaume qui est court. Méditez ce psaume-là. Ce psaume 23, c'est un psaume facile à maîtriser. Donne dans votre cœur pendant que vous marchez. Répétez ça dans votre cœur, dans votre esprit, jusqu'à ce que ça pénètre tout votre être et que ça dégage autour de vous un parfum agréable de vie. Et votre journée sera une journée de bénédiction sur vos contemporains. Je vous laisse donc. Je prophétise que cette journée, vous alliez de l'avant. Allez, prospérez, assujettissez tous les obstacles et soyez des champions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.